L'idée d'une Europe réconciliée, unie et forte, doit être le mot d'ordre des jeunes générations. Nadine, elle est merveilleuse, mais elle est d'une intelligence, mais vive, mais pointue, mais comme on ne voit qu'à droite des gens capables de parler comme ça. Je crois en l'Europe, je crois l'avenir de l'Europe, mais pour ça, il faut envoyer les bons députés à Bruxelles et à Strasbourg. Donc moi, je le dis à mes concitoyens, il n'y a pas 36 choix, c'est voter pour la liste conduite par Nadine Morano. Je soutiens Nadine Morano parce qu'elle a de vraies convictions. Et je suis convaincue qu'élue demain député européen, Nadine saura porter la voix de la France en Europe. C'est un député européen qui aura du caractère, des convictions, et nous avons besoin de parlementaires qui fassent le trait d'union entre le terrain français et puis les centres de décision européens. Je suis très contente aujourd'hui que Mme Morano vienne nous voir, nous visiter, parce que l'Europe est très importante pour nous. C'est une personne qui va au bout des dossiers, qui les connaît parfaitement. C'est une personne loyale, fidèle et une grosse travailleuse. Morano fait avec toute l'équipe une campagne remarquable où elle parle de la France, où elle parle de l'Europe, où elle fait clairement partout, dans toutes les estrades, la démonstration que la France est plus forte grâce à l'Europe et l'Europe plus forte grâce à la France. Avec Nadine, on est sûr que dans l'Est, on sera bien représenté et avec une personne d'un dynamisme et d'une énergie qui saura nous défendre. Je pense que Nadine Morano, de par son expérience ministérielle, a toute capacité à pouvoir gérer ce mandat de députée européenne. Il faut des gens énergiques, des gens qui ont de la volonté, des gens qui sont proches du peuple et proches des Français et des Françaises qui croient en l'Europe. C'est toute l'ambition de la liste conduite par Nadine Morano. Lorsqu'il faudra défendre nos intérêts, elle le fera avec la plus grande énergie. Et on a besoin aussi d'hommes et de femmes avec ce type de caractère au niveau du Parlement européen. Et avec Nadine, avec Arnaud et avec l'ensemble des colistiers, nous savons que la voix de la France sera bien entendue, bien défendue et que demain, la France retrouvera le rang qu'elle mérite sur le continent européen. Nadine, elle a l'énergie, elle a la conviction, elle a l'envie et ce qu'il faut, c'est élire une dream team. Elle est totalement motivée pour arriver à avoir une construction européenne qui fonctionne mieux. Et je soutiens Nadine parce que c'est une femme énergique, une femme au franc-parler. Les Français aujourd'hui veulent ses qualités. Je soutiens la candidature de Nadine Morano dans le Grand Est parce que je sais qu'elle porte ces valeurs de protection, ces valeurs de croissance que nous voulons aujourd'hui placer au cœur des priorités à Bruxelles. C'est une députée comme elle qui a l'expérience du terrain, l'expérience ministérielle qui pourra nous apporter le plus.